Pourquoi t'es venu à Bailly, Chris? Je suis venu à Bailly parce qu'il y avait l'option cuisine et que depuis tout petit, j'aimais bien quand ma mère faisait à manger et je me suis dit pourquoi pas. Et toi, Coco? Moi, je suis venu ici parce que j'aime bien la cuisine. Alors la cuisine, ça marche, t'as besoin de trois couverts, trois bruschettas, trois poulets cocottes et trois soufflés grand marnier. Oui, de terre tournée, elle doit tenir sur votre poste de travail. Et je vais revenir poser les volailles sur ma garniture. Comment vous est venue l'envie de devenir cuisinier? Alors cette envie m'est venue du fait que je cuisinais beaucoup chez ma grand-mère qui avait une maladie, donc je m'occupais beaucoup d'elle. Et l'envie de cuisiner est venue à partir de l'âge de 14 ans où je me suis intéressé à la cuisine et où j'ai eu envie de faire ce métier qui pour moi est un métier de partage mais surtout de gourmandise. C'est du chocolat? C'est du cacao? Mais dedans, il n'y a pas de sucre, d'accord? Donc si vous le mangez, ça, vous allez vite tirer la langue parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Je vais verser mon sucre cuit sur les œufs et je vais émulsionner comme ça, d'accord? On appelle ça une bombe. Nous avons de l'enseignement général et professionnel. En enseignement professionnel, nous avons appris toutes les techniques de base. La cuisson des viandes, le taillage, on apprend aussi à organiser son travail. Et aussi, on apprend à dresser des belles assiettes. Voilà, Thibaut. Non, tu remplis ta main de copeaux, tu remplis ta main de copeaux et tu trempes ton merveilleux dedans. Tu le bascules. L'idée de la meringue, c'est qu'elle soit croustillante à l'extérieur et regardez, moelleuse dedans. Le lycée Bailly, c'est aussi le rayonnement extérieur par le biais de manifestations telles que les salons, mais aussi les vœux de la région où les élèves exprimaient leurs techniques apprises au lycée. Effectivement, nous avons des résidences de chefs où, dans le cadre de la formation des jeunes, les chefs étoilés viennent travailler au lycée et réalisent un repas entier. On va pouvoir rencontrer des chefs dans le cadre des concours, comme le meilleur apprenti de France, comme le concours qui s'est déroulé au château du Rivaux, qui s'appelait les Toquets de demain, parrainé par Yannick Agnino. Et une multitude de concours, comme le championnat de France des desserts, auxquels on va participer. Qui sont très enrichissants et très formateurs pour nos jeunes qui sont en formation au lycée à Burbank.